De cette obligation. Au niveau du règlement, également, les participants.
l'investissement d'une épreuve empirique, que ce soit homme ou femme, ne doivent pas dépasser l'arrière de la roue arrière de, du permis, sous peine de sanction. On doit vraiment rester la roue avant, on ne peut pas dépasser l'arrière de la roue arrière, il faut normalement, au moment où la moto s'écarte ou accélère longuement, pour sortir les fils de son sillage, eh bien, la vitesse doit être à 45 km. Pour l'instant, c'est Alfreda Palmendo, la Slovaque, qui est évidemment la deuxième place, qui est dans le sillage vite depuis devant, pour peut-être prendre quelques points. Pour n'avoir qu'un angle de vision à surveiller.
Et le Jack derrière qui se rapproche et de Charlie qui tente, qui a tenté un petit peu le coup de bluff, faire croire un démarrage. Ça y est, on est à un tour et demi de l'arrivée. J'aimerais s'il vous plaît dans le dernier tour, tous les spectateurs du stade, s'il vous plaît. Du stade, s'il vous plaît, c'est un peu de l'envoi maintenant pour cette
troisième position, Mélisse Sandrepin. Maïla Andréotti était en quatrième position. La deuxième manche, c'est Mélisse Sandrepin qui s'est imposée devant Olga Ismailova et Alzbeta Perlendova et Maïla Andréotti. Attention pour le départ de cette troisième manche du Kérit féminin. Les applaudissements pour accompagner le départ. 25 km/h, c'est la vitesse c'est la vitesse imposée. C'est pas le minimum, c'est le minimum et le maximum. C'est la vitesse à laquelle la moto passe à côté des compétitrices. Et c'est Olga Ismailova pour approcher actuellement en tête pour la cérémonie protocolaire. Maxence Dindo, Maxime Glacier et puis Cyril Vandiovel, les trois premiers du classement scratch. Merci d'être présent avec nous de manière à ce que... Et nous, les spectateurs de Tauroa, le manoir entre les deux premières actuellement, les deux vainqueurs des deux premières manches, Mélisse Sandrepin et Olga Ismailova. Olga Ismailova et Alex Mélisse Sandrepin, 54, la victoire et les applaudissements s'il vous plaît, Olga Ismailova. Deuxième position, the second place, Alberta Pavlenova, third place, troisième position, Mélisse Sandrepin, fourth place. Et bien, avec les trois, t'étais content ou t'as douté vraiment juste là? En fait, les joueurs qui jouent depuis maintenant le bas de quelques années. Mais on dispense, s'il vous plaît, tout se joue là, dans cette course. David et Cécile, Thierry Fandal. Et David et Cécile a eu le tirage au sort lui imposant d'être. Sur enfin, le premier à mener. Et c'est une chose qu'il fait pour l'instant. Et nous sommes dans le premier tour. Une victoire partout, Géry Fanta, David Cessy, ils prennent un petit peu plus de vitesse. David et Cessy, Géry Fanta, il va essayer de remonter là dans vers la balustrade. Voilà, il essaie toujours la même tactique sur chacun de ses sprints. Il remonte l'adversaire et attention, c'est le dernier tour. Dernier tour, David Cessy, toujours en tête, et Géry Fanta, vous pouvez qu'il avait un final, finish, ravageur, David Cessy, Géry Fanta, David Cessy, le numéro 1 pour cette manche, à ce tournoi de vitesse, cette épreuve de vitesse, je vais y arriver, pardon, avec Charlie Connor et David Sojka. Ils ont une victoire chacun, un seul d'entre eux va pouvoir inscrire son nom au palmarès de cette vitesse du Fenio Piste International, partenaire titre de cette épreuve inscrite au calendrier de l'Union Cycliste Internationale. Charlie Connor, le numéro 3 pour le Pôle France, il rentre sur la piste, il se positionne sur la ligne. J'aimerais vous entendre l'applaudir bien fort. Pour Alonso Dublin-Rondo and from Czech Republic, David Sojka. Les applaudissements également. Une manche partout pour ces deux coureurs. Trois tours pour se départager. C'est parti. Allez, Charlie Connor, qui a eu le tirage au sort pour lui, imposé d'amener la première partie de la course
Alors généralement, Charlie, tout à l'heure, essayait toujours, petit sur place, une tentative sur la ligne opposée au bout d'un demi-tour. On reste très concentré. Les sprints peuvent partir de très loin aussi. On n'a pas eu cette configuration-là depuis le début de la journée sur les manches de vitesse. Et pour l'instant, on reste dans les spectatives. On attend. Et toujours Charlie Connor, très concentré. Et le Tchèque qui monte un petit peu de rythme, il va essayer de surprendre le Français qui maîtrise pour l'instant le sprint. Il essaie de le retarder le plus possible. Charlie Connor, s'il vous plaît, les spectateurs, dans le dernier tour. J'aimerais vous entendre vraiment tout au long de ce dernier tour. À tous les spectateurs, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Encore plus fort, Charlie Connor pour l'instant, qui est en tête. Charlie Connor, vainqueur. Et David Sojka, deuxième position, troisième David Essessi, quatrième Jiri Fanta, s'il vous plaît, pour ce magnifique tournoi de vitesse et de victoire de Charlie Connor.